l'une des filles de Kassori, le ministre Kassori, premier ministre, mariée légalement, est rentrée, c'est-à-dire, elle est devenue la maîtresse de Amara. Mougouli est venu, jusqu'à, boum, grossesse est sortie dedans. Elle a même accouché. Mariage gâté. Chercher à ranger, étouffer. Hein? Vous savez qu'on dit toujours, le Mougouli ne se cache pas. Le Mougouli ne se cache jamais. Nyenge amouyoroma, jamais de la vie. Dans Muntamvarayalandene, qu'est-ce qu'on a vu la suite? Au départ, Jordan avait dit qu'il n'y aura pas de sache aux sorcières, que les sorcières ne seront pas poursuivies, que personne ne sera poursuivi. Tout le monde a vu ça. Hanya, ça c'est dans nos têtes, c'est dans nos esprits là. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Après l'arrestation de nos leaders, c'est-à-dire les cadres, les anciens dignitaires. Je veux parler de Oye Gilavogui, malgré que lui, on l'a relaxé. Je veux parler du président de l'Assemblée, Amadou Damaro Camara. Je veux parler du ministre de la Défense, Dr Mohamed Diané. Je veux parler de l'ancien premier ministre, Dr Kassori Fofana. Et c'est là que je vais me limiter. Bim! Diané est parti plusieurs fois à la CRIEF et on a demandé de payer caution. On a demandé des milliards. Ces montants ont été proposés. Il y a toujours eu opposition de la CRIEF. On dit Ali Touré s'est opposé à la libération de tel, Ali Touré s'est opposé à la libération de tel. Maintenant, j'explique. C'est le gros problème c'est les problèmes du début de la transition jusqu'à maintenant qui sont tombés sur la tête de Siriki Amara. Boum! D'abord, je vais vous mettre une partie, c'est-à-dire vous rappeler d'une partie. La révélation n'est pas encore là. Vous rappelez cette partie, c'est quoi? C'est la sortie d'une sortie récente de Charles White qui était parti devant la CRIEF là. Il avait dit, le directeur ou le secrétaire quoi poursuivi, son ordinateur est où? D'autres dossiers prennent les escaliers, d'autres prennent l'ascenseur. Beaucoup de cadres poursuivis ont quitté le pays, eux ils sont partis comment? Est-ce que vous comprenez? Maintenant j'explique, hein? Toute cette partie-là. Siriki qui s'est créé un réseau propre à lui, pensant être intelligent, pensant être malin que tout le monde. Ce réseau, l'un de ces réseaux-là, c'est quoi? Tous les boss qui étaient au temps d'Alpha Condé, la majorité qui sont sortis de la Guinée après le coup d'État, tous ces boss-là ont payé de l'argent à Amara. C'est-à-dire, c'est l'un de ses grands business. C'est lui qui a fait sortir ces cadres-là. Il les a fait évader. C'est comme si il est complice de leur évasion. Donne tel milliard, je te laisse, on va te laisser sortir. Celui qui a dit qu'ils sont venus pour arranger. Si lui, il était venu pour arranger, est-ce que lui-même va être le parrain pour faire sortir les cadres qui sont poursuivis, juste pour faire plaire aux gens? Maintenant, je vous apprends, parmi nos leaders qui sont en prison, on a le premier ministre Kassori. Apprêtez-vous, parce que l'info, c'est du bombe, et il va trouver des milliards pour aller payer les médias pour venir me contredire. Mais je vais lancer le défi. Et ce défi est quoi? C'est de faire sortir la personne et que la personne elle-même vienne me démentir. Aussi simple que ça. Voilà. Docteur Kassori est en prison.
Docteur Skassouri, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit pour qu'on le libère. Il n'y en a pas. Ce qu'on n'a pas dit pour qu'on le libère. Déjà, Docteur Skassouri est en prison. L'une de ses filles, qui est mariée légalement, vivante au Canada, qui est rentrée au pays, est devenue maîtresse de Amara, de Siriki. Je répète, l'une des filles de Kassouri, le ministre Kassouri, premier ministre, mariée légalement, est rentrée, c'est-à-dire, elle est devenue la maîtresse de Amara. Mougouli est venu, jusqu'à, boum, grossesse est sortie dedans. Elle a même accouché. Mariage gâté. Cherchez à arranger, étouffer. Hein? Vous savez qu'on dit toujours, le Mougouli ne se cache pas. Le Mougouli ne se cache jamais. Nyengeya Mounyoruma, jamais de la vie. Nyengeya Mounyoruma, jamais. Maintenant, l'une des arguments de Amara pour convaincre la famille qu'il va aider le président, le père, à sortir de prison et donner le pouvoir au père. Que tout ce qu'il dit à Jordan, c'est ce que Jordan va faire. C'est toi qui as dit de Siriki. Aujourd'hui, je vais exposer ça au monde entier. Le monde entier va le savoir. Car la vérité reste toujours la vérité. Et le peuple est et sera toujours le premier à être au gros plan. Donc, peuple de Guinée, c'est la première à vous donner cette nuit tardive. La deuxième, c'est encore plus boum, 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 boum. Parce que toujours, Siriki est toujours lié à ça. Toujours, tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de lui. Quand on parle de l'échec de la transition, quand on parle que la transition a échoué, si vous voulez mettre les têtes, hein, Billahi Wallahi Talai, quand tu prends Jordan, parce qu'on va toujours prendre Jordan en premier, parce que c'est lui le chef. Quand tu prends Jordan, il faut mettre Amara. C'est-à-dire, quand tu prends Jordan, tu mets une fois. Il faut prendre Amara, tu mets 100 fois dedans. Tu mets Giba 80 fois dedans. Et d'autres cadres de la présidence. Les amis incognito civils de Jordan, qui sont des ministres délégués VIP au palais, le nombre, on ne peut pas compter. On ne peut pas, parce que officiellement, vous ne les voyez pas. Officiellement, vous ne les connaissez pas. C'est là qu'on parle de nom des billes. Tous ces membres-là, les amis d'enfance de Jordan, c'est-à-dire Jordan, il a pris le magot. Tous ses camarades avec qui il a eu à faire des bons moments. Allô, je sais, moi qui est boss ici, hein, il faut venir. Alors toi, Siriki, toi, Amara, qui nous chante ça, que vous êtes venu pour arranger. Regardez-moi ces trucs de, c'est-à-dire, inexplicable. Amara met Kassouri en prison. Ancien premier ministre. Hein? Kassouri en prison, ancien premier ministre. On a tout fait de libérer Kassouri. Amara a cherché Go pour faire Mougouli. Dans tout le monde entier, il n'a pas vu. C'est la fille de Kassouri qui est encore mariée, qu'il va Mougou jusqu'à ce que la mette enceinte. C'est quelle foutaise ça? Bon, on peut dire que c'est foutaise, mais c'est le travail de Dieu. Parce que quand Dieu, lui, il fait son travail, c'est quand il finit de faire son travail que tu peux, c'est-à-dire tu t'assois, tu,
tu fais des calculs, tu te dis, mais comment je suis arrivé jusqu'à faire tout ça là? Comment? Parce que aux yeux d'aujourd'hui, ça va se savoir parce que c'est sorti sur les réseaux. Maintenant, autour de toi, toi Siriki, ton gars, il n'y a pas une personne en ce monde-là, malgré que vous n'êtes pas des amis d'enfance, vous êtes vu comme ça. Tu as été recommandé par quelqu'un qui a confiance, parce qu'il a toujours confiance à cette personne. Tu as été recommandé par cette personne. Cette personne a dit, le petit, je lui fais confiance. Il ne va jamais te trahir, il ne va jamais te faire ça. Tu as dit d'accord. Et Jordan a dit d'accord. C'est comme ça, tu es venu. Il y a eu cette fraternité. Et comme tu avais passé les premiers communiqués, on a vu que c'était un homme et que tu étais un peu dans l'émotion, ça paniquait un peu. C'est là qu'on a dit de trouver une femme pour faire, pour lire les communiqués. C'est comme ça Aminata est venue, la dame Aminata, elle est venue. Donc, suite à quelques communiqués passés par la dame, après, on n'a plus vu la dame. Et on n'a plus vu Siriki. Donc, toi, tu te permets, hein, que tu es venu pour arranger. Tu prends nos cadres, tu les mets en prison. Le même cadre que tu as mis en prison, tu pars faire mougouli avec sa fille. En plus, une femme mariée. Pendant que toi-même, tu es marié. Hein? C'est quelle bêtise, ça. C'est quelle connerie, ça.